Quels sont les outils, quelles sont les nouvelles méthodologies que l'on peut utiliser pour améliorer et optimiser l'expérience consommateur à chaque point de contact avec lui et d'un point de contact à l'autre? Le premier enjeu de la communication digitale, c'est bien la maîtrise du parcours consommateur d'un point de contact à l'autre. Il s'agit là d'utiliser des méthodes de storytelling pour identifier, proposer un parcours consommateur idéal. C'est ce que fait Laura Merlin en éveillant notre créativité à travers des spots télé du côté de chez vous. Ensuite, en nous invitant à aller en ligne pour mûrir notre projet, mieux comprendre qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce qu'il va falloir acheter, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour mener à bien ce projet. Ensuite, ce parcours va bien sûr passer par le magasin. Les consommateurs vont pouvoir poser des questions aux vendeurs en ligne, je veux dire dans le magasin, et ensuite aller en ligne pour partager les photos et les vidéos de leur maison, de leur cuisine. Donc là, voilà, il y a un parcours idéal qui est proposé entre les écrans et qui fonctionne bien et libre au consommateur de le suivre ou pas. L'autre enjeu, c'est de développer les contenus qui vont être le plus engageant sur le point de contact avec le consommateur dans son contexte de vie. Là, c'est de l'engagement de planning. C'est comment on arrive à bien comprendre quel est l'état d'esprit du consommateur à ce moment-là sur cet écran-là et quels sont les contenus qui vont donc être le plus engageants. Derrière le mot engagement, je veux dire capter son attention, l'inciter à passer du temps, l'inciter à réaliser des actions. L'exemple de Contrexte est assez parlant. Donc, à travers un spot publicitaire, il nous montre l'expérience idéale, une expérience fun de mincir avec Contrexte. Donc, on voit tous ce spot télé avec les femmes qui courent, motivées par les stripteaseurs en face. Et ensuite, les consommatrices sont invitées à télécharger une application mobile, par exemple. Pour obtenir des défis minceurs qui vont comment dire, les motiver à continuer leur processus d'amincissement. Enfin, ils vont pouvoir aller sur Facebook et avoir un contact plus direct et échanger directement avec d'autres consommatrices, par exemple autour de l'alimentation. L'autre enjeu, c'est bien de comprendre cette expérience. Comment arriver à avoir des données sur les consommateurs et non pas voilà, des gens sur le net. Vraiment, là, je parle de consommateurs, c'est-à-dire des gens qui sont intéressés par le produit, qui pourraient éventuellement l'acheter. Comment donc les comprendre et les comprendre sur un point de contact. La Ligue de football américaine a développé un panel de consommateurs qui va donc permettre de capter cette intelligence, cette connaissance de que font les gens autour d'un match, que ce soit en ligne, que ce soit dans le stade, pour donner des pistes de réflexion qui vont amener les annonceurs à développer de meilleurs dispositifs. Cette logique-là est assez intéressante, même dans le social listening, c'est-à-dire l'écoute des conversations des consommateurs en ligne. Il est possible aujourd'hui de créer son propre panel de sources en ayant qualifié les sources, en s'assurant que ce sont bien des consommateurs avec tel profil, et d'écouter ces consommateurs-là, et non pas 60 000, 100 000, 600 000 personnes sur le web qui restent inidentifiées. Ensuite, une fois qu'on a la bonne piste créative, qui correspond qui va réussir effectivement à intéresser les consommateurs, quel que soit le point de contact. Des fois, on se retrouve avec deux exécutions créatives, on ne sait pas trop laquelle choisir. Il y a plusieurs prestataires qui, aujourd'hui, comme In-Situ, permettent de faire un choix entre différentes campagnes ou Social Move qui va vraiment permettre de choisir entre deux bannières ou Content Square qui va permettre de choisir entre deux versions du site. Et comme on demande à des consommateurs leur retour, on va pouvoir savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas, mais aussi pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas. Enfin,
et c'est peut-être la chose la plus importante, celle qui va permettre à la communication digitale de devenir la plus créative, c'est la mesure de l'efficacité finale d'une campagne. C'est savoir dans quelle mesure une campagne qui a été diffusée a non seulement touché des gens, mais a touché des consommateurs, et combien ont été touchés. Donc ça, c'est une efficacité média. Mais aussi savoir comment cette efficacité média s'est traduite en impact de création, c'est-à-dire combien de personnes se souviennent de la création, se souviennent de la marque, se souviennent du message. Quels sont les effets que ça a laissés auprès des consommateurs, c'est-à-dire dans quelle mesure ils sont incités à chercher de l'information ou à faire un achat. Donc aujourd'hui, tout l'enjeu, c'est d'arriver à avoir une même mesure qui combine l'efficacité média, l'efficacité de communication, l'efficacité marketing, et qui est pareil à la fois pour la télé, pour le digital, par exemple une bannière, ou pour une communication sur Facebook. Compit a l'air un petit peu en avance dans la logique de la chronologie des contacts, comment retracer les parcours consommateurs en ligne en ayant bien vérifié que les consommateurs ont été exposés sur ce point de contact-là, et celui-là avant celui-là, et permet à une marque de comparer son parcours consommateur avec le parcours consommateur d'une autre marque pour voir les éléments à optimiser. L'enjeu est bien là, c'est de décloisonner des processus internes pour que l'expérience consommateur à l'externe, à l'extérieur, soit fluide. Donc décloisonner, ça veut dire décloisonner le département média du département communication, des départements marketing à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi faire en sorte que l'échange entre les différentes agences ait lieu, qu'il y ait une collaboration, et aussi que à chaque moment de développement de la campagne de communication, les acteurs gardent en tête le même consommateur et puissent passer d'insight à des premières pistes de création à la mesure de l'efficacité de la communication de façon fluide en gardant le cap. Et en guise de conclusion, je crois que ça appelle un nouvel acteur dans l'entreprise qui est un directeur du digital, qui effectivement permettrait à la communication, au CRM, même aussi au département Internet ou médias, de travailler ensemble, qui permettrait aux différentes équipes de garder toujours ce consommateur en tête à chaque étape du développement de la création, et qui permettrait au final aux campagnes développées d'être efficaces au niveau média, efficaces au niveau de leur impact, et efficaces sur les ventes.